Owen. I call. Vanessa calls! Dan Shack does have 11 outs. It's a 10! That was not supposed to happen. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui centrée sur un personnage ô combien intéressant du poker professionnel, du circuit professionnel, c'est l'américain Dan Shack, joueur amateur qui a réussi dans le monde des affaires et qui aime se frotter avec les plus gros. Alors les main events, ce n'est pas trop la tasse de thé de Dan Shack, c'est surtout les super-rollers qui l'intéressent. Et là, on le voit dans une main où il open, il relance Dame 10 suitée, payé par Daniel Negreanu, payé par Mike McDonald, donc vous le voyez. Au niveau du casting, on fait dans le lourd, dans le très très lourd. Alors personne n'a touché. On a toujours une main intéressante chez Daniel. Et c'est Dan Shack, le relanceur initial, qui va effectuer sa mise de continuation sur un flop avec un roi, un board assez sec, où il y a donc peu de tirage. C'est payé par Daniel. Et là, on a quelques cartes qui pourraient aider Dan Shack. Le 9 en est une, elle va lui apporter un tirage quinte ventrale maintenant. Tous les carreaux l'aidaient, toutes les paires pouvaient l'aider aussi. Et on continue son agression. Le souci, c'est que le 9 a donné le brelan à Daniel, qui là n'a aucune envie de s'en aller maintenant. Mais le valet, la pire carte pour Negreanu, parce qu'elle va donner le jeu max à Dan Shack, qui fait tapis et instantanément payé par Daniel Negreanu. Et donc, tout le monde se marre, mais c'est un double up pour l'entrepreneur. On va se retrouver maintenant à 3 joueurs restants. Le 100 000 dollars du PCA à Nassau avec un joueur allemand très 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 doué dans ce format de poker à deux cartes, Fabian Kos, avec son petit chèche qui va relancer 7 et 4 à pique. Il n'y a plus qu'à 3 joueurs, hein, donc on peut relancer un nombre considérable de mains depuis cette position. On attaque la grosse blinde de Dan Shack. On est plutôt content d'attaquer sa grosse blinde si Fabian Kos joue toute sa vie des coups en position et en tête-à-tête contre Dan Shack. Eh bien, il pense qu'il peut faire de l'argent et je suis assez d'accord avec lui. Et on va prendre un board intéressant, on va prendre la top pair. Alors la top pair sur un board auteur 4, hein, c'est pas non plus complètement la panacée. On décide de check back. On a fait une paire, ce qui est quand même intéressant. Dan Shack, lui, va avoir manqué 2 fois sur 3. Et sur ce 8, c'est Dan Shack qui attaque. Je pense pas qu'on puisse passer hein, chez Fabian Kos. C'était un petit peu le but de son checkback aussi, hein, de ne pas faire grossir trop le pot avec une main moyenne. Et d'ouvrir des possibilités de bluff chez son adversaire. Donc c'est collé. Et on va prendre un 7 pour lui faire 2 paires. Alors attention, parce que maintenant... à 5 faisait déjà quinte tout à l'heure. 5 et 6 maintenant fait la super quinte. Et on fait face à une grosse mise de 325 000. Je pense que c'est dur de passer contre Dan Shack. C'est les quintes à 2 cartes. Hein. C'est 5 et 6 pour faire quinte. C'est à 5. On décide de relancer et c'est sur un tapis que ça va être compliqué. Tapis de Dan Shack. Vraiment, lui dit Fabian Kos. Est-ce que t'es complètement en tilt là pour faire ça? J'aurais très envie de coller à la place de Fabian Kos. Et c'est foldé par Kos et waouh, c'était un bluff. 7 et 6 dépareillés. Allez, tu peux en regarder une si tu veux. De toute façon, n'importe laquelle des cartes. Allez mettre Fabian Kos dans le doute, il l'a complètement own, le joueur high-stakes allemand. Toujours au PCA, avec cette fois-ci Ole Shemion, l'Autrichien, Philippe Gruissem, Anthony Gregg. On a relancé chez Shemion avec Roi-10 dépareillé.
Et en grosse blinde, Dan Shack, qui trouve As-10 dépareillé, mais qui va payer. Hein. Il sait qu'il domine énormément de mains de Olé. Mais Olé va reprendre l'avantage là sur ce flop avec un roi. Et alors, on décide de lead chez Dan Shack, c'est-à-dire de ne pas laisser à Olé Shemion le soin d'effectuer sa mise de continuation. On veut annoncer qu'on a un gros jeu là-dessus. On veut faire le patron. Ça a été payé par Shemion, qui lui est très content de garder un joueur qui bluffe là avec cette ligne-là, cette intention-là. Alors il a ceci d'intéressant, Dan Shack, c'est que c'est un joueur amateur parmi les gros monstres de ces tournois high roller, mais il n'a pas peur de mettre des jetons au milieu et parfois quand on touche beaucoup ça peut être compliqué pour son adversaire. Alors troisième trèfle mais qui ne complète pas la main de Dan Shack. Par contre Dan Shack il a l'as de trèfle et il décide de shove sur ce spot là et c'est ultra malin parce que ça devient très compliqué pour les Shemion maintenant de coller avec simplement top pair. Il a un bloqueur en plus Shemion sur les trèfles et un bloqueur sur la quinte. Wow, c'est passé, bravo Dan Shack d'avoir réussi à faire encore une fois folder la mer en main, ce qui reste quand même le but du jeu très souvent au poker. Ouais, toujours au pissier. En même temps, Dan Shack joue quasiment uniquement là-bas, hein. Un petit peu à Vegas aussi. Et là, on a une relance d'Antonio Esfandiari à 120 000, payé par Vanessa Selves en small blind avec As-Valet dépareillé. On aurait pu 3 bêtes aussi, c'est-à-dire sur-relancer chez Vanessa. Elle estime probablement qu'elle est souvent devant la range d'Esfandiari. Elle a peut-être pas envie non plus de faire grossir le pôle. Elle va prendre un valet. C'est une énorme main et elle, avec son gros avantage en jetons, elle va décider de mettre la pression maximum à tout le monde. Là, il y a beaucoup de tirages, hein, des mains comme Roi-Dame, Dame-9, As-Roi, les mains avec deux trèfles vont faire... vont être de belles combinaisons à tirage. Et là, Dan Shack, qui lui a trouvé la deuxième paire et le tirage trèfle, justement, décide de relancer. C'est typiquement le genre de main contre lesquelles Vanessa n'a pas trop envie de jouer. Alors, est-ce qu'elle va continuer dans son opération destruction, là, en lui revenant dessus, ou est-ce qu'elle va simplement payer? Alors, Dan Shack, il a ceci d'intéressant, encore une fois, c'est qu'il met beaucoup de jetons, donc il est capable de bluffer souvent. Et c'est pour ça qu'elle le garde. Elle n'a pas envie de lui faire folder, si jamais elle part à tapis, lui faire folder des mains moins bonnes. Le tableau qui... double avec ce 6, qui est plutôt une bonne carte pour Vanessa Selves, c'est le tapis de Dan Shack. Waouh, il est en train de... d'essayer de la mettre dans une situation vraiment, vraiment inconfortable, mais Vanessa, elle a top pair, et elle est venue un petit peu pour ça, je la vois pas passer. Elle va finir par payer, elle est pas contente de s'engager dans un si gros pot, mais elle couvre Dan Shack, elle a top pair. Mais voilà, call. Waouh, alors Dan Shack joue des cartes, hein. Il joue les 10. Il joue plus les 9 maintenant parce que ça ferait deux paires aussi à Vanessa. Et il joue les trèfles, les 10 et les trèfles. Ouais, sinon c'est dehors hein, en ce tournoi pour Dan Shack. Vanessa qui couvre. Wow, et c'est un 10 qui va mettre une gigantesque gifle à Vanessa Selves. Oh, il en a pris une aussi, hein. Au passage, Dan Shack, choqué. Ah putain, la petite phrase qui va mettre en tilt. Vanessa, la petite moue, waouh, qu'est-ce que j'ai été verni sur ce coup-là. Ah, et Vanessa qui va lui annoncer à son ami. Et voilà, il a collé...
J'ai collé, il avait 11 out, et je viens de perdre un pot à 2 millions de jetons. Voilà un petit peu en substance que, ce qu'elle lui dit. Il va falloir qu'elle reste dans son tournoi, Vanessa. Elle est en giga-tilt, la championne américaine. Là, c'était quasiment balle de match hein, pour elle. Si elle éliminait Dan Shack, elle se retrouvait en tête à tête. Et c'était fini. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne de PokerStars. Bye bye!